Bonjour YouTube, ici le meilleur de Marmotte. J'espère que vous allez bien et nous allons parler aujourd'hui de Final Fantasy XIV. Mais nous allons surtout parler du sixième boss du Pandemonium, ou plutôt de la sixième boss, Hegemon. Alors Hegemon, pour le petit point culture de la mythologie grecque, c'est une des deux Charites, assimilée pour les Romains au niveau des grâces, et c'est une des filles de Zeus. Bon, on ne connaît pas trop la mère, ça dépend des sources. Donc c'était des déesses qui symbolisaient la séduction, la beauté, la nature, hégémonie, tout ce qui était positif et positif. Bref, c'est le point culture, ici on va se friter un boss. Avant d'aller plus loin, je me permets de vous signaler que cette vidéo est sponsorisée par Square Enix, le jeu gratuit jusqu'au niveau 60, soit le jeu de base et 20 soirs d'inclus, des heures de plaisir, des centaines d'heures de plaisir, le code est dans la description, n'hésitez plus pour laisser gratuit. Donc, Pandemonium, sixième boss, Hegemon. Et elle va directement commencer par un polyomino éthéré qui sera son attaque principale. 4 pylônes d'énergie qui vont apparaître aux 4 coins de l'arène. Chaque pylône va faire 2 AOE en diagonale. Il suffira de se mettre sur une diagonale safe, au choix. Tout simplement, l'arène va se diviser en 16 zones, 8 safe, 8 pas safe. Elle enchaînera avec Koros Iksu, des attaques coniques de chaque côté du boss, bien regarder sa main et les petites boules rouges à côté, et surtout ne pas se mettre devant Zell. Le boss va faire plusieurs fois l'attaque à la suite. On enchaîne avec Giga Ténèbres d'Emiteos, ce sera un Red Buster, puis un Parasitage. Le boss va cibler les 8 joueurs, 4 puis 4. Pour le moment, il ne faut rien faire, vous verrez un cooldown dans vos debuffs. Puis un décompte va apparaître, 5, 4, 3, etc. Il faudra vous mettre face extérieure de l'arène. En effet, une fois le décompte terminé, vous serez bloqué, stunned, et vous lancerez une attaque en cône devant vous. Si vous visez l'extérieur, c'est beaucoup mieux, vous éviterez de tuer les autres joueurs. Dès que les 4 premiers joueurs ont fini le décompte, les 4 autres l'auront. Derrière, c'est une synergie, tankbuster sur les 2 tanks, et un nouveau polyomino éthéré. 4 pylônes apparaissent à nouveau comme la première fois, sauf que cette fois-ci le boss fait en parallèle Koros Iksu, donc il faudra faire très attention à ne pas non plus être devant ses mains. Juste derrière, on a le droit après Koros Iksu à Strophe Iksu. Le boss va faire 2 attaques, une devant, une derrière, puis elle va tourner. Vous voyez d'ailleurs le petit cercle avec les petites flèches pour bien éviter ça. Donc il faut bien se placer par rapport au boss et tourner en même temps que lui. Attention, les zones sont particulièrement grandes, donc ne vous faites pas avoir. Pas comme moi. Derrière, nouveau Giga Ténébros, le Red Buster, et nouveau Parasitage. Même principe, à denter que le décompte apparaît pour vous retourner. Le boss vous fera un petit Koros Iksu en même temps, puis lancera Cendre Ténébreuse qui vous forcera à vous spread. Pas mal de choses en même temps. Derrière, le boss fera Changement Éthérien. Je ne vais pas le dire à chaque fois qu'il le fait, mais du coup, chaque fois que Changement Éthérien sera lancé, derrière, les pylônes se changeront de sens. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont bouger avant de faire leur attaque pour tous les polyominos. Donc, s'il y a Changement Éthéré avant la mécanique, ça veut dire qu'il faudra bouger. Sera très visible comme vous le voyez sur le combat. Derrière, polyomino éthéré Sigma, 4 pylônes apparaissent, toujours avec des attaques en diagonale. Comme je vous l'ai dit juste avant, il y aurait eu un changement éthérien, donc ça va bouger, ils vont échanger de place deux par deux juste avant, donc il faut bien prévoir la transition pour savoir où se placer. Toujours 8 zones safe sur 16. Derrière, polyomino éthéré Sigma 2, à nouveau 4 pylônes, mais attention, deux pylônes cette fois-ci vont faire des AE autour d'eux, donc il faut les éviter, mais une fois seulement que ces derniers auront échangé avec les autres pylônes. Vous n'aurez que 4 zones safe sur 16. Nouveau Giga Ténèbres, Polyomino Éthéré Sigma 3, comme précédemment, mais attention, cette fois-ci le boss fait en même temps Strophe Iksu, donc vous allez devoir vous déplacer. Il faut bien se placer par rapport au boss et au pylône, puis ne pas oublier de tourner autour du boss. Nouvelle synergie, Tankbuster. Nouveau Red Buster, Giga Ténèbres, et derrière vous aurez Polyomino Éthéré. 4 pylônes, mais avec des attaques uniquement en diagonale et sans échange cette fois-ci s'il n'y a pas eu de changement éthérien. Mais vous aurez à gérer Parasitage en même temps. Polyomino Éthéré 5, Sigma, derrière. 3 pylônes auront une AOE complète autour d'eux. Il faut donc bien voir les deux seules petites zones safe après mouvement des 4 pylônes.
ça laisse pas beaucoup de choix, surtout que le boss fait Chorus Xu aussi. Donc au final, comme vous le voyez, il s'ouvre une zone, toute petite zone de rien du tout, safe, à peu près l'équivalent de 2 zones sur 16. Tank Buster avec Synergie, Red Buster avec Giga Ténèbres, puis Polyomino, Éthéré, Sigma à nouveau, 4 pylônes avec des attaques uniquement en diagonale, mais en échange cette fois-ci. Il faudra également gérer le spray nécessaire suite à Cendre Ténébreuse. Une fois tout ça fait, on revient à la boucle précédente au niveau du Polyomino Éthéré Sigma 3 et donc on refait les mêmes attaques encore et encore jusqu'à ce que vous ayez le boss. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée, soirée, après-midi comme vous voulez. Des bisous, de l'amour et à très bientôt pour de nouvelles aventures dans l'univers de Final Fantasy XIV.